Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle première ou vidéo si vous la regardez en rediffusion. Alors, dans cette première, je vais vous montrer tout ce qu'on a pu, tout ce que j'ai pu recevoir suite à l'échange qu'on s'est fait entre Vincent et Anthony. On commence un petit peu à les connaître ce week-end. Voilà, on s'est revus encore une fois ce week-end. Et du coup, j'ai reçu ça, tout ça là, voilà, encore une fois. Donc, ça, c'est surtout Anthony qui m'a refilé ça. Parce que Vincent, encore une fois, je vous le dis, il veut me filer à peu près 25 tubes fluo en 36 watts. Le truc, c'est que j'ai pas encore l'étagère adéquate pour, on va dire, stocker ces tubes fluo. Parce que me font, c'est un carton et tout. J'aime bien stocker les cartons et tout pour éviter que les tubes cassent. Mais j'ai pas encore l'étagère. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave, ça s'attendra. Mais par contre, donc Anthony, il m'a passé ça, voilà. Donc il m'a passé tout ça, mais alors tout ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais échanger aussi et tout ce qui va avec. Donc du coup, on va commencer par le plus simple, mais vraiment le plus simple. C'est ça. Alors ça, c'est. Voilà. Ça, c'est le début du début, c'est ça, voilà. Une Claude, lampe incandescence spot Claude incandescence réflecteur bleu gros luxe. Donc ça c'est pour les plantes. Ça c'est pour les plantes, la croissance des plantes. Voilà. Donc à l'intérieur, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en gros, le spot il ressemble à ça. Voilà. C'est un spot bleuté. Hein. Voilà. Donc je n'en avais pas encore de ces modèles-là. Hop. Claude 75 watts. Pousse plante. Fabriqué en France. Donc c'est pas mal, j'en avais pas comme ça. Donc ça arrive en collection. Je savais pas que Claude avait fait ce genre de modèle perso, donc voilà. Donc nickel. Donc ça c'est le début, ça c'est l'apéritif. Ensuite, ce petit pochon de starter transparent. Alors j'en ai filé 4. J'ai filé 4 starters Philips en S10. Vous savez la boîte que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Du coup j'en ai passé 4 et il m'a passé en échange 4 starters en S2. Donc je vais vous déballer un petit peu le pochon. Ouais, voilà, c'est emmêlé quoi. C'est emmêlé, mais bon, je ferai ça plus tard finalement. Mais regardez ce que c'est comme version. Les Philips S2P, ils appellent ça Polar, avec le petit bonhomme, la petite mascotte de chez Philips. Donc, ça, c'est des starters des années 2000, ça à peu près. Voilà, et puis le dessus, il est bah, typiquement comme les starters en transparence, sauf que voilà. Voilà. C'est pas comme les coquettes d'aujourd'hui. Du coup, il m'en a filé 4, tout neuf. Non, parce que celui-ci, il a une boîte de starter comme ça, en S2. Donc voilà, donc ça fait un échange, nickel. Ensuite. Alors, ça vient apparemment d'un ami qui connaît, qui faisait. Qui avait un. Qui, enfin, qui avait un aquarium, parce qu'il a des poissons, hein, son ami. Il avait un aquarium, et du coup, en fait, depuis, il a changé d'aquarium, l'aquarium est beaucoup plus long, en fait. Et du coup, bah, il lui restait ça en RAM. En fait, il utilisait ça. Donc, ça, c'est du neuf. Hein. C'est un peu usé parce qu'on voit que c'est abîmé parce que ça a été stocké. Mais voilà, c'est sur des Philips aquarelles comme ce que Vincent m'avait donné en 15 watts. D'ailleurs, lui, finalement, le 15 watts, je vais lui repasser le 15 watts. Voilà. Aquarelle 30 watts, 90 cm. Voilà. Donc, de chez Philips. Voilà. C'est du blanc, neutre, il me semble. Ça, ces versions-là déjà, lumière naturelle. Ouais. Ah, ils appellent ça 10 000K, donc c'est du blanc froid en fait. 10 000K, voilà. Donc, ouais. Donc j'en ai deux comme ça. J'en ai deux comme ça. Alors, ensuite, maintenant, regardez ce qu'il y a un peu plus sur le côté, là. Hop. Non, c'est pas du Mazda Fluor, ok. Hein. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça, il a dégoté ça d'un théâtre, donc le théâtre de Vénissieux, dans les caves du théâtre de Vénissieux, voilà. C'est ce qui restait à mon avis avant qu'il fasse les décors avec des spots LED, donc pour les éclairagistes. Mais à l'époque, les éclairagistes, ils utilisaient ça pour les pièces de théâtre. Et là, voilà, 58 watts, Osram L58 watts, 67 Blue, voilà. Avec le triangle. Bon, les Mazda, ils ont. Les Mazda. Les Osram, ils ont un petit peu été utilisés, mais vraiment vite fait, quoi. Ils sont. Pas tant marqués que ça, on va dire. Voilà.
Le deuxième, il est encore moins marqué que le premier d'ailleurs. Je vous montre. Hop. Il est encore moins marqué que le premier. Voilà. Encore moins marqué que le premier. De l'autre côté, pareil, il n'a pas l'air d'être. Non, derrière, il n'a même pas marqué du tout d'ailleurs. Hop. Mais par contre, alors là, regardez. Le gros tas là, le gros le machin. Là-dedans, il y en a 8. 8 tubes fluo de chez Osram à l'intérieur. 8 tubes. Et là, je vais vous en zoomer un. Je pense qu'on va voir. Ça va être top. Hop, je vais vous avancer ça. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, je vais vous en sortir un avec la gravure, si possible. Voilà. Bon, il est à l'envers. Regardez. Oh, bah tiens, moi, je. Au pire, je vais pas me faire chier. Je vais tout le sortir, le tube. Voilà. Et ceux-là, ils sont neufs. A priori, ouais, ils sont neufs. Regardez. Waouh. Je vais pas avoir la place pour. Voilà. Osram avec le triangle. Osram L5860. Road Red. Donc du rouge. Fabriqué en Allemagne. Donc ça en 50 watts, c'est la grande grande taille. Oula. Ouais, il est long. Donc il se cogne un peu, mais bon, faire attention. Il est très long ce tube. Ces tubes-là, j'en ai 8 comme ça. Et en fait, c'est pareil, en fait. C'était dans le, dans les, dans les, dans, dans les, dans la cave du théâtre de Vénissieux. Voilà. Voilà. Et il faut savoir en plus que ces tubes-là, donc tout ça là, les tubes de couleur. À l'origine, c'était un prêt apparemment parce que c'est marqué rendre à la clé. Donc à la CLE, c'est une. Je ne sais plus spécialement ce que ça veut dire précisément. Vince, Anthony me l'a dit rapidement, mais je ne me rappelais plus. Il vous le dira en commentaire s'il faut. En fait, à l'origine, c'était un prêt. Mais finalement, la société en question n'est jamais venue les récupérer. Et donc finalement, c'est resté dans les caves et ça n'a jamais été utilisé parce que c'est neuf. Et là, j'en ai encore un, encore plus vieux, de chez Osram. Voilà. Donc pareil, hein, hop là. L5860 Red. Mais alors lui, par contre, lui, il est encore plus vieux. Regardez. Le culot. C'est un culot comme ça. Et là, il a même pas le truc, lui. Il est encore un peu plus vieux, lui. Là. Il est d'avant 96, celui-là. Hop. Osram L5060 Road Red, fabriqué en Allemagne. Donc j'ai hâte de les tester, ces tubes-là. Parce que bah là franchement pour avoir ces. Alors en plus, c'est des vieux tubes, c'est pas des Osram d'aujourd'hui, hein, c'est des vieux tubes de chez Osram en couleur comme ça. Non mais franchement, encore une fois, avec Vincent et Anthony, on se récupère des choses, mais on s'échange des choses. Et même des fois, on fait des achats dans des trucs, sur des sites franchement nickel quoi. Et donc du coup, en fait, en échange, histoire de pas trop le laisser comme ça. Je vais du coup, je lui ai déjà passé 3 réglettes Euronorm de 6 watts ferromagnétique. Voilà, parce que bon, repartir les mains vides, c'est pas top. En plus, tout de suite aussi marfiler, c'est la moindre des choses. Et il m'a, et puis à l'avenir, je lui passe aussi quelques lampes. Encore, je lui ai passé des tubes verts de chez Osram, même version en fait, hein, les mêmes versions. Voilà, d'ailleurs, d'avance, je vais recevoir. D'ici quelques semaines, un carton de tube vert de chez Osram, ça c'est grâce à Electricité Générale, c'est lui qui m'a passé le tuyau, donc je vais le nommer, mais vu que c'est un carton de 23, allez, je vais arrondir, je vais enfiler 3 en Anthony, et puis voilà, puis d'autres trucs aussi s'il veut, hein, voilà. Donc vraiment, on se rend service, on part jamais les mains vides, et ça c'est cool, et au moins, ces tubes-là, au lieu de finir à la benne, ou dans les. Ah! Et j'ai oublié, j'ai pas tout ramené encore. Hop! J'avais oublié de présenter ça aussi, qui m'a filé ce week-end, Anthony. Un emballage, donc vierge. Et si je vous le déballe. Oh non, mince! J'ai pris celui qui était collé. Oh! Ah, j'essaie de le sortir de ce côté-là. Voilà, tant pis. Ah, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Un Circline de 40 watts, Mazda Fluor blanc brillant de luxe, du coup c'est des blancs rosés, de janvier 91, ou alors de janvier 89, 81.
J'irai plus 91, je ne sais pas, parce que c'est marqué A1. Voilà. Mais en tout cas, les blancs brillants, ça fait le bel lueur, ça ne se fait plus. Enfin, les blancs brillants de luxe, c'est les blancs rosés. Donc, il est un peu poussiéreux. Et la petite anecdote, en fait, c'était utilisé dans le, sur le, c'était utilisé. Ces lampes-là, c'était du stock. Donc, j'en ai reçu 5. J'en ai pété un à cause du vent en présence d'Anthony de Vincent. Mais bon, voilà. Alors, heureusement, j'en ai encore 4. C'était un stock de Serclan qui était utilisé pour éclairer l'horloge du clocher de la ville de Vénissieux, donc de la commune de Vénissieux. Et depuis, en fait, aujourd'hui, ça a été remplacé par des projecteurs iodure, voilà. Et du coup, bah, pour lui, c'est un stock mort, ça. Du coup, bah, il en a pris pour lui, en fait, et pour moi, vu que j'ai vu que j'ai des plafonniers en 40 watts, et ben bah voilà, comme ça, au lieu de finir à la poubelle, parce que vu qu'il est chef d'équipe dans sa commune d'électricien, c'est lui qui décide qu'est-ce qui va partir à la poubelle, qu'est-ce qui va rester. Donc voilà. Et vu que ça, c'est un stock qu'il n'utilise plus, ou quasiment plus, il reste encore deux Sylvania chez lui, il reste deux Sylvania à Vénissieux en 40 watts récents, et ben ils vont se contenter de ces deux-là, parce qu'ils n'en utilisent plus, mais bon, au cas où. Du coup, j'en ai quatre comme ça. Malheureusement, cinquième, il est parti bah, à la poubelle, parce que j'avais les cinq dans la main, avec le vent, il y en a un qui a fait l'emballage, il s'est ouvert comme ça. Et le Serclan, ploum, tombé, raide, sur le bitume du parking. Du coup, forcément, on l'a dû ramasser, il a pété. Le Serclan, il est explosé, il a été explosé, malheureusement. Donc ça m'en fait 4. Voilà. Et puis, genre, comme ça, j'aurai l'occasion d'en tester dans une vidéo. Donc ce beau blanc rosé. Et ça me fera des lampes de collection. Puis peut-être un jour, j'en utiliserai peut-être un aussi en rechange. Mais voilà. Donc ça, vraiment, je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup à Anthony. Parce que bon voilà, il m'a encore filé pas mal de choses. Vincent, c'est en attente, mais c'est normal, c'est moi qui veux, hein. C'est pas lui qui met du temps à me passer des choses, c'est moi qui lui dis d'attendre un petit peu parce que préfère avoir ce qu'il faut pour bien stocker correctement. Voilà, du coup, je le remercie sincèrement et je remercie aussi Vincent d'avance aussi toujours pour ce qu'il va me filer et ainsi de suite. Voilà, et c'est pas fini, hein. Ouh là là, ce n'est pas fini. Ça n'est pas fini, on a encore pas mal de projets ensemble. Beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de ce que j'ai pu avoir grâce à Anthony ce week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!